Bonjour à tous, Bénédicte Tassard, je suis journaliste économique à RTL. Merci de venir à cette session, la session numéro 22, intitulée « Quelle valorisation de la richesse ?» vont participer à cette table ronde. On va demander si on peut fermer la porte, peut-être faire un petit peu moins de bruit. Merci. Vont participer à cette table ronde Patricia Barbizet, vous êtes la directrice générale d'Artemis, la holding de la famille Pinault, vice-présidente du conseil de Kering, vice-chairwoman de Christie's. Diana Filipova, à l'origine du think tank et collectif WeShare. Diana, vous vous occupez aussi des start-up chez Microsoft. Christian Camaillou, vous êtes le fondateur de My African Startup. Vous identifiez les start-up les plus prometteuses du continent africain. Vous les identifiez auprès des investisseurs, auprès des médias. Et puis Philippe Vidal, vous êtes le directeur général adjoint de la banque CIC. Alors avant de vous écouter, on ne va pas faire l'introduction classique, on ne va pas faire l'introduction avec un économiste, puisque l'introduction a été confiée à Elisabeth Reynal. Elisabeth est étudiante en troisième année à l'EM de Lyon. Elisabeth, vous aviez déjà l'année dernière participé à la parole aux étudiants à Aix. Alors, avis aux dirigeants, Elisabeth cherche à travailler plus tard dans le monde de l'art ou de l'édition. On va d'abord faire un petit service civique, Elisabeth. Elisabeth, est-ce que vous pouvez nous poser le débat? Quelle valorisation de la richesse? On vous écoute. Ça fait. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Donc, quelle valorisation de la richesse? Voilà une question absolument univoque. On attendrait donc une réponse simple. Une richesse, une valorisation. Ce serait même trop simple, car d'emblée, on se sent submergé par un sujet qui nous dépasse. Richesse, somme de tous les biens, les moyens, les revenus susceptibles de combler, de satisfaire les besoins et les désirs des hommes. On pense au mythe de l'Atlantide, dont la prospérité ne connaît pas de limites. Notre sujet, lui, a-t-il donc des bornes? Tentons de le circonscrire. Pour l'économie, la richesse, c'est ce qui représente une valeur marchande. Construire un patrimoine, un capital et l'accroître, telle est la pensée sous-jacente. Les motivations, en fait, sont aussi diverses que les formes de richesse ne sont nombreuses. Certains veulent faire profit, d'autres pensent réinvestissement, matériel ou humain, ou se placer. Les méthodes d'évaluation des richesses sont très nombreuses. Elles se basent sur la préciosité des biens ou des services, leur utilité, le travail nécessaire à la production, l'attractivité. Le sujet ici parle de valorisation. Qu'appelle-t-on la valorisation en économie? Dans l'entreprise, c'est un processus qui est obtenu par des manœuvres souvent volontaires pour engendrer une hausse de la valeur marchande. Valoriser une richesse, c'est donc croire en fait que les acteurs d'une économie ont tous un intérêt personnel et collectif à prospérer. À l'ère de la transformation numérique, avec la rapidité des flux, la dématérialisation des données, nous voici face à de nouvelles perspectives et donc des nouvelles richesses. Quelles sont-elles vraiment? Quels propriétaires en serons-nous? Et comment les valoriserons-nous? D'une part, il faut se demander comment valoriser les richesses qui sont produites par nos entreprises, puis réfléchir à la façon dont on spécule sur ces richesses. Il faut réfléchir ensuite aux nouveaux modèles de croissance qu'engendrent nos start-up. Et enfin, toutes ces richesses que nous produisons, que nous exploitons, que nous voulons en fait posséder et transmettre, jusqu'à quel point en sommes-nous propriétaires? Comment considérer nos ressources naturelles et quelle place accorder aujourd'hui à notre capital humain? Alors, les entreprises aujourd'hui font attention à deux paramètres principaux pour valoriser leur patrimoine. D'une part, la rentabilité de leur business model et également l'exposition au risque. Le but de l'entreprise, donc, c'est d'être rentable. C'est ce qu'on appelle la valeur marchande. Cette valeur marchande est ensuite placée en bourse, nous spéculons dessus, c'est grossièrement la valeur boursière. On se trouve ici face à un paradoxe, la spéculation en fait se défie des valeurs réelles. En oubliant bien souvent la réalité de la valeur marchande, elle s'intéresse au buzz de l'offre et de la demande, un peu auto-entretenue. Donc en fait on essaye de rendre nos entreprises plus valables, mais on se défie des richesses réelles sur les marchés boursiers. Quels sont donc le sens de nos estimations? Nos entreprises n'entretiennent-elles pas une image de marque parfois surcoté? Tout va très vite. 65% des métiers que l'on exercera dans 20 ans n'existent pas encore. Comment accompagne-t-on cette transition? La politique ambiante pousse tout un chacun à l'entrepreneuriat. Et de fait, la distorsion aujourd'hui entre le travail et le capital donne raison à cette vision. Le salaire n'est plus la seule source de revenus dans un monde ubérisé. On prône donc l'économie du partage, où chacun est responsable des richesses qu'il produit. Cependant, la question du risque de l'entrepreneur est toujours là, dissimulant une réalité sociale parfois mal acceptée. Ceux qui osent et qui entreprennent sont souvent ceux qui ont la possibilité d'échouer. Alors, quelles sont nos réelles motivations? Entreprendre,
Est-ce créer de l'emploi ou est-ce créer du capital? Enfin, le tournant numérique ne rime pas avec consumérisme. Les préoccupations environnementales aujourd'hui sont au cœur de nombreux enjeux. L'entrepreneuriat appelle une responsabilisation qui peut être écologique. En effet, nos ressources naturelles ne sont pas inépuisables. Comment nos richesses pourraient-elles l'être? Les limites, par exemple, des ressources en pétrole préoccupent. Plus sensible encore, la question de l'eau, cet or bleu qui est monnayable dans de nombreux pays. Dans le métro parisien l'autre jour, une publicité a attiré mon regard. Elle présente un enfant qui rêve « Plus tard, je téléguiderai les nuages ». L'ère du numérique semble pouvoir rendre possible tous ces rêves d'enfant. Est-ce souhaitable? Et si nous réalisions celui-ci, que ferions-nous de tous ces nuages capitalisés? Se battrait-on pour faire la pluie et le beau temps? Tout peut-il s'acheter et se vendre? Remettons du sens dans notre chasse au trésor et reposons en fait le sujet en ces termes. Quelle richesse voulons-nous vraiment valoriser et pour quelle plus-value? Quelle place laisserons-nous au capital humain, seule richesse digne d'être fructifiée pour elle-même? J'appuie sur le bouton. Merci Elisabeth. Alors, on va d'abord faire un petit tour de table. Patricia Barbizet, si vous voulez bien commencer, on va vous poser cette question. Quelle sera la richesse de demain? Merci. On va, voilà. Et si vous pouvez appuyer, voilà. Vraiment parler près du micro. Rapprochez la petite boîte. Je rapproche la petite boîte. Elisabeth a dit beaucoup de choses, et notamment une chose qui est très importante, c'est que c'est un sujet qui est extrêmement vaste et qui, sous des apparences techniques, pose quand même des questions qui sont des questions essentielles. La première, c'est celle de la nature de la richesse. Qu'est-ce qui fait la richesse d'un pays? Qu'est-ce qui fait la richesse d'une entreprise? De quoi sera-t-elle faite demain? Et comment est-ce qu'on s'y prépare? Elle pose aussi la question de la juste mesure, pour reprendre l'expression d'Aristote, au sens propre, la richesse comme évaluation, comme mesure, et aussi au sens moral, la juste mesure, le juste équilibre, dans un contexte qui a été marqué par la démesure des crises financières notamment, et des crises tout court d'ailleurs, politiques aussi. L'économie financière, donc la richesse, ne peut pas être exclusive d'une vision sociétale de la création et du partage de la richesse. Ça devient même une urgence politique. C'est pas un hasard d'ailleurs si plus de la moitié de nos intervenants de ce débat sont des acteurs de l'économie collaborative ou solidaire. C'est pas un hasard non plus si le thème a été celui de la richesse, mais celui de la prospérité. Et Jean-Hervé Lorenzi nous a bien dit que c'était pas la même chose, que la richesse n'était qu'une composante et que le sujet était donc beaucoup plus vaste encore que celui que nous allons traiter. Siglis l'avait dit, 2/3 de la richesse d'un pays provient de l'immatériel. Deuxième remarque, nous vivons effectivement dans un monde où le chiffre est devenu la grandeur commune. Tout se traduit en chiffres, tout a un prix, même ce qui n'en a pas. Trois exemples rapidement, les richesses naturelles. La grande barrière de corail a été estimée, on a l'impression que ça ne peut pas l'être, mais ça l'a été, à 37 milliards d'euros par Deloitte. Les rapports sur l'économie, sur la reconstitution des richesses naturelles leur donnent aussi un prix. Et quand une société comme Kering donne le rapport d'un compte de résultat environnemental pour mesurer l'impact de ses actions en chiffres, on voit bien que le chiffre est une grandeur commune. Elle l'est aussi pour la culture, bien immatériel par excellence, mais dont on chiffre le coût et la rentabilité en France à 44 milliards d'euros de valeur ajoutée. Et le dernier exemple, peut-être un cas limite, mais même la vie qui n'a pas de prix a quand même un prix, puisqu'on arrive à la chiffrer, et que les économistes l'ont chiffré pour, selon des prix qui varient d'ailleurs selon les époques, les pays, l'âge, la classe sociale, mais qui sert dans les compensations de familles de victimes, dans les crashs ou les catastrophes, dans la grille des prix, horrible chose, des esclaves sexuels publiés par Daesh, ou les trafics, les tarifs des passeurs et des migrants. C'est tout à fait horrible, mais c'est un chiffre quand même. Ces trois formes de richesse démontrent que le chiffre est notre grandeur, mais bien entendu qu'il en a évidemment des limites. Et ça m'amène à mon troisième point, c'est la correspondance entre la valeur réelle et la valeur de marché. Dans certains cas, la valeur d'entreprise et la valorisation d'une entreprise est sans commune avec la valeur qu'elle a déjà créée. Et donc tout repose sur la valeur anticipée. C'est vrai évidemment dans le domaine du digital. Les valorisations boursières de Twitter, de Facebook, d'Uber sont tout à fait décorrélées de la valeur qu'elles ont créée, de la richesse qu'elles ont créée, de leur rentabilité d'aujourd'hui. Le marché de l'art est aussi un endroit où il est difficile d'évaluer le bien. Au fond, on fait tout un tas d'estimations, mais ce ne sont pas des valeurs, on ne détermine pas le prix. Le prix, finalement, il est celui de la rencontre entre un acheteur et un vendeur, et il se fait de manière conventionnelle.
le dernier point de mon propos, la valorisation d'entreprise, opération extrêmement complexe qui fait appel à des critères extrêmement nombreux, variés, quelquefois contradictoires, et qui sont aussi fonction du secteur et de la nature de l'entreprise pour pouvoir la valoriser. Complexe parce qu'on mesure des richesses matérielles et des richesses immatérielles, la réputation, la force de la marque, l'histoire de l'entreprise, le capital client, le capital fournisseur et toutes sortes d'autres choses qui sont spécifiques à chaque entreprise. Complexe parce qu'elle porte un potentiel de développement. Au fond, la valeur d'aujourd'hui, c'est la valeur actuelle de ce que sera l'entreprise demain. Et donc, elle porte la capacité d'anticipation et une capacité à dire, à prévoir ce que sera la croissance de cette entreprise. Et moi, je vis dans un groupe qui est Artemis et qui n'a cessé de se réinventer et d'imaginer ce que serait le métier de demain, quel serait notre métier de demain. Et finalement, ça a servi, cette anticipation de la valeur de demain a servi de mode de critère principal d'évolution du groupe. Conclusion, quelles seront nos richesses de demain? Qu'est-ce qui fera tout ça? Il y en aura beaucoup, j'imagine. Je voudrais en citer juste trois. La première, c'est évidemment le capital humain. On vit depuis pas mal de centaines d'années avec l'idée qu'il n'est de richesse que d'hommes, avait dit Jean Bedin. Je pense que c'était vrai et j'aimerais beaucoup que ça reste vrai et que les richesses ne soient pas celles des robots ou des valeurs et que le capital humain soit effectivement la richesse fondamentale. Au niveau microéconomique, au niveau des entreprises, j'espère qu'on sera capable d'identifier ce qui fera la valeur de nos collaborateurs en leur trouvant des métiers dans lesquels on sera capable de les former, de les faire évoluer. Vous disiez que 75% des métiers de demain n'existaient pas. À nous de savoir former nos collaborateurs pour leur permettre d'aborder ce que seront les métiers de demain sans les laisser sur le bord de la route. Au niveau macroéconomique, la politique d'éducation et la politique culturelle sont évidemment des facteurs essentiels de ça. Deuxième critère pour moi, la liberté et l'indépendance, notamment face au monopole des GAFAM. Je sais que Google dit qu'il ne c'est pas un monopole, mais je pense que ça l'est. Et je pense que ça passe par l'action d'institutions et de régulation au niveau national, au niveau européen, au niveau mondial, pour créer les conditions de notre indépendance et de nous protéger contre tous les abus que ces énormes entreprises peuvent avoir. Et troisième propos, évidemment, le partage, c'est-à-dire la capacité à mettre en réseau les talents et les ressources. D'abord parce que c'est une évidence, nous allons être submergés de données, il va bien falloir les trier, personne ne pourra les trier seul, et donc il est impératif d'avoir des réseaux, d'avoir des points de contact qui permettront d'utiliser cette richesse de data, l'infobésité, disait quelqu'un ce matin. Et donc, ce sera intéressant de le traiter avec d'autres. Et d'ailleurs, je perçois que le mot intelligence est en train de changer de sens. On est passé d'un sens français très conceptuel et assez personnel à l'intelligence au sens anglo-saxon, qui est au fond la communauté, le lien avec d'autres et la compréhension de l'environnement qui nous entoure. C'est évidemment l'essor des plateformes. C'est évidemment, on le perçoit, l'omniprésence en ce moment du préfixe co. On est collaboration, co-innovation, co-working, co-développement. On voit bien qu'on ne peut pas l'être tout seul. Et donc, naturellement, l'économie de demain sera du partage. Partage de l'information, partage du travail, partage des ressources. Et je pense que vous serez tous les deux particulièrement bien placés pour le mentionner et l'étayer. Et donc, je crois que ce sera ça. Les deux valeurs qui me paraissent les plus importantes, ce sera effectivement la curiosité. Je crois qu'on a besoin, et c'est ça qui sera le moteur de l'innovation, le moteur de nos évolutions, et qui permettra de mettre tout ça pour le mieux, et le partage des richesses, qui là encore est une urgence absolue, de trouver un meilleur équilibre entre le partage des richesses, faute de quoi le politique, enfin, faute de quoi on prendra des risques importants sur le plan politique, sur le plan social. Il est impératif que le progrès soit partagé, sinon il serait rejeté. Merci Patricia Barbizet. 7 minutes. Merci. Bon, c'est vrai qu'on a Christian Camaillou et Diana Filipova ici qui représentent le monde du digital. Donc, Diana Filipova, est-ce que je peux vous poser cette question? Est-ce que le numérique a une valeur? Comment on estime la valeur du numérique? C'est encore pire, en fait. Là, vous complexifiez la question initiale. Alors, moi, je vais vous parler un peu du numérique. Non pas parce que c'est à la mode, mais c'est pour ça aussi, mais parce qu'en fait, le numérique, depuis quelques années, a encore, en quelque sorte, bouleversé nos habitudes. Il nous a encore montré une fois que les mesures traditionnelles de la richesse, le PIB, la croissance, le plein emploi, enfin tout ce qu'on utilise, toute cette mise en chiffres issue de la seconde révolution industrielle, étaient particulièrement inadaptées pour valoriser, en fait, pour estimer
la production de la valeur. Et j'introduis une deuxième variable, que toutes ces mesures également se traduisaient dans des politiques publiques qui elles-mêmes ne parvenaient plus à partager les richesses quand elles étaient valorisées ou alors quand elles n'étaient pas valorisées. Donc évidemment, je pense à la commission Stiglitz, par exemple, qui a produit quand même des recommandations assez précises et qui n'a quand même pas donné lieu non plus à un bouleversement majeur de la manière dont on parle, en fait, de nos objectifs de politique publique. On continue à se fixer comme horizon le plein emploi, la réduction du déficit. Alors, le dernier objectif, c'est la réduction du poids des dépenses publiques dans le PIB, qui apparemment en France est particulièrement élevé. Donc tout ça, c'est de la mise en chiffres qui continue, qui persiste, malgré cette remise en cause qui elle-même existe depuis très longtemps, qui est depuis des années à peu près 60-70. Donc en fait, qu'est-ce que fait le numérique? Le numérique, il polarise deux tendances. La première tendance, le numérique, c'est la mise en chiffres. Enfin, c'est vraiment le fait de pousser en bout la volonté de rationaliser la réalité humaine, tout simplement. Quand on parle de big data, quand on parle d'algorithmes, quand on pense d'ailleurs au projet de Allende dans le Chili, qui s'appelait le projet Cybercine, qui consistait en fait à opérer l'économie chilienne depuis une entreprise, depuis une pièce qui serait complètement numérisée, tout ça en fait relève d'un certain symbole de contrôle de la société vis-à-vis également des hommes et des machines par des moyens uniquement technologiques. Donc, d'ailleurs, c'est quand on parle aujourd'hui d'État start-up, d'État plateforme, c'est exactement la même symbolique qui est employée derrière. C'est un rêve de contrôle par l'humain via des machines. Donc ça, c'est la première tendance, la numérisation, rationalisation. Et puis il y a une deuxième tendance, en fait, constat un peu opposé justement qui se produit, c'est qu'on a énormément de mal à valoriser cette nouvelle économie numérique. Enfin, la manière dont les relations humaines de production, de consommation sont bouleversées par elle. Je pense par exemple à l'économie collaborative, le fait que le numérique, en nous permettant d'échanger, de communiquer de façon qui est révélée par les réseaux sociaux et par les plateformes, en fait, elle exprime quelque chose qui était avant informel. Je pense à un service, par exemple, de La Poste, récemment, qui a proposé pour 20 euros de passer à peu près 5 minutes par semaine à discuter avec votre grand-mère pour qu'elle ne se retrouve pas seule. Donc, on appelle ça, évidemment, la marchandisation, c'est le mot qu'on utilise, des rapports humains. Mais c'est surtout, en fait, le fait qu'elle rentre dans l'économie et qu'on se demande quelle valeur, en fait, elle produit du point de vue purement économique. La deuxième tendance, c'est qu'on a du mal à trouver des repères communs, oui, pour valoriser la production et le travail humain. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment ce qui s'est passé depuis à peu près 30 ans. Il y a une subjectivation de la valorisation du travail, des ressources humaines. C'est toute la tendance managériale, en fait, dans les années 90, qui a conduit, en fait, à considérer non pas concrètement la production de chaque individu, mais plutôt d'évaluer ses critères subjectifs, qui est, vous connaissez très bien, le savoir-être, le savoir-faire, on en parle beaucoup dans les entreprises, qui du coup conduisent à une polarisation entre ceux qui répondent à ces codes formels et informels et à ceux qui ne sont pas capables d'y répondre. Donc, ce que vraiment mon idée centrale là-dessus, c'est que le numérique tout seul, il révèle des choses, mais surtout il a tendance à polariser, à renforcer les inégalités plutôt qu'à les niveler si on ne met pas en place un cadre de compréhension, d'interprétation et surtout d'action via le politique sur ces tendances. J'ai encore un peu de temps ou... Ok. Alors, je voudrais en fait aborder trois sujets très rapidement que je développerai par la suite. Donc, le premier, c'est le travail. Donc, aujourd'hui, le travail, vous l'avez entendu, vous l'avez évoqué, est complètement bouleversé. On n'est plus dans le modèle de production salariale classique où une entreprise emploierait, on va dire, un tel montant de capital, un tel montant de travail, un tel montant de technologie, et puis derrière, ça produirait des produits qui serait aisément valorisé sur un marché tout à fait rationnel. On a un double bouleversement. Le premier, c'est que l'entreprise se réorganise. Elle n'interdise pas tout, mais c'est une sorte de noyau dur qui rassemble autour de lui tout un ensemble de tierces parties, les consommateurs, les clients, les travailleurs, les collaborateurs, les fournisseurs. Et donc la valeur n'est plus inscrite dans une charte de valeur
dans une chaîne de valeur qui, elle, est rationalisée et mise en chiffres, mais elle est beaucoup plus floue. Il y a une espèce de valeur diffuse qui est créée. Et en fait, on le voit énormément dans l'économie numérique et dans l'économie collaborative, c'est que le travail lui-même est distribué. Je pense que vous avez probablement entendu parler de ce qu'on appelle le travail digital. C'est-à-dire que nous, en tant que consommateurs, on travaille également, on contribue à la production de la valeur d'une plateforme. Lorsqu'on note un chauffeur sur Uber, lorsqu'on fait les 5 mètres nécessaires pour récupérer un colis, on travaille. Or, on n'est pas directement rémunéré pour ça, même si, en quelque sorte, on se positionne en tant que travailleur dans cette organisation. Donc, un des enjeux, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait mettre une valeur économique ou est-ce qu'il faut la mettre sur cette contribution, cette diffusion de la production de valeur. Le deuxième axe, c'est que le numérique, en fait, il renforce la production d'externalités. Alors, externalité positive, externalité négative. Externalité positive, je pense, par exemple, à une entreprise technologique qui va générer autour d'elle toute une communauté, tout un ensemble de parties prenantes, par exemple Google avec tout l'écosystème entrepreneurial de la Silicon Valley, qui va influencer tout simplement la croissance et la production de richesses dans un écosystème donné. Ça, c'est ce qu'on appelle en fait la pollinisation, c'est que au lieu d'avoir une production verticale très claire et identifiable, une entreprise va en fait produire une richesse qui est extrêmement distribuée et qui va être difficile à saisir. Mais également, elle produit des externalités négatives, et notamment sur, vous connaissez bien, les modèles sociaux traditionnels qui sont issus de la seconde révolution industrielle. Je reprends l'exemple d'une entreprise collaborative qui va casser, en tout cas qui va proposer une alternative au modèle de production de relations salariales plus traditionnelles entre le donneur d'ordre et celui qui les exécute. Évidemment, je pense un peu à Uber, mais il y a beaucoup d'autres exemples. Ce qu'elle va produire comme effet, ce n'est pas seulement qu'en elle-même, elle va appliquer un modèle différent, c'est que son modèle va contester la légitimité et l'existence du modèle salarial en son entier. En d'autres termes, si l'ubérisation provoque autant de discussions et autant d'effroi dans le politique, c'est aussi parce qu'il nous remet en cause notre modèle social français, qui repose, lui, sur le salariat. Et cette externalité-là, elle est très difficile à saisir, puisque, en fait, on n'y est pas préparé. Le fait qu'une entreprise ait un pouvoir, une puissance si importante qu'elle est presque égale à une institution. Diana, est-ce que vous pouvez juste nous dire votre troisième point, puis on en parlera pendant le débat. Et le troisième point, ça tombe bien, c'est la question de la privatisation des mesures de richesse. Ouais. Et là, je voulais plus parler de l'entrepreneuriat. Le fait que, parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat arrive à développer des mesures de richesse qui sont très différentes de celles des entreprises traditionnelles, il pose la question de leur agrégation, c'est-à-dire quel effet, justement, quelle externalité ça a sur le fonctionnement de notre société et si on peut les transposer. On va faire la transition avec M. Camayou. M. Camayou, une start-up, à quel moment elle prend de la richesse? À quel moment une idée, est-ce qu'une idée, c'est déjà une richesse? Bonjour. C'est vrai que tout commence avec une idée lorsqu'on crée une start-up. Lorsqu'on rencontre des entrepreneurs, un des réflexes habituels, lorsqu'on pose une question à quelqu'un, quel est ton projet? Souvent, l'entrepreneur, il est optimiste. Il faut de l'optimisme pour avoir confiance en son projet. Et généralement, l'entrepreneur considère que son projet vaut de l'or. Il considère que son idée vaut de l'or. Et par conséquent, il y a souvent deux formes d'attitude. Donc, il y a des entrepreneurs qui vont plutôt choisir de la confidentialité. Autrement dit, je ne vais pas vous révéler de quoi il s'agit parce que je considère que mon idée vaut de l'or. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent dans les réunions de start-upers et aussi avec des investisseurs. Un peu difficile pour discuter, non? Oui, bien sûr, ça clôt le débat. Et après, il y a d'autres entrepreneurs qui vont dire, OK, très bien, moi, j'ai une idée, mais je considère qu'elle vaut de l'or et je vais la partager. Donc, par rapport à ce thème initial qui est la valorisation, au stade initial, lorsque l'entrepreneur commence quand l'idée germe dans son esprit, il a déjà une idée de la valeur de son projet.
Mais je suis assez réservé sur, sur la valorisation d'une idée, parce qu'en fait, une idée, au fond, elle n'a pas de valeur, tout simplement parce que elle doit être exécutée pour pouvoir avoir du sens. Donc l'idée en soi n'est pas fondamentalement importante, parce qu'on sait que ce qui attend l'entrepreneur, c'est la mise en œuvre, et c'est autrement plus compliqué de mettre en œuvre un projet. C'est extrêmement difficile, et c'est cela qui a de la valeur. Dans le processus de mise en œuvre d'un projet entrepreneurial, donc ça commence avec l'idée, et souvent, on se pose la question de la valorisation à un autre moment, lorsque l'on rencontre des associés. Donc on rencontre des personnes avec lesquelles on est susceptible donc de travailler. Et souvent, il y a des frictions. Il y a des frictions et au niveau de la répartition des parts sociales. Donc, je suis fondateur d'une start-up. Donc, j'ai 2 ou 3 personnes qui sont susceptibles de travailler avec moi. Donc la friction va commencer à ce niveau-là. Donc que vaut l'apport de chacun dans le projet, et quel est l'impact de chacun dans la richesse qui va être créée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on rencontre très souvent dans l'écosystème entrepreneurial. Et la valorisation, on en entend surtout parler à un moment très important, c'est un peu le sport national des startups, c'est la levée de fonds. Lorsque vous créez une startup par nature, c'est une société qui démarre et qui est appelée à avoir un bel avenir. Donc le start est évident, mais le up, c'est un peu plus compliqué. Et donc le problème de la valorisation de la startup, elle ne génère pas de revenus au début. Donc, lorsque vous allez rencontrer un investisseur, ce qui va être compliqué, c'est de lui expliquer de vous faire confiance, donc de vous confier son argent sur la base, au fond, de quelque chose qui démarre. Donc, il doit parier sur les revenus futurs de l'activité. Et là, c'est quelque chose de compliqué, parce que, au fond, l'investisseur, vous allez être dans une situation où vous n'avez pas de valorisation comptable, vous n'avez pas de chiffre d'affaires. Et ce qui est compliqué dans la discussion entre un start-upper et un business angel, c'est créer une confiance suffisante. Il doit croire en l'avenir. Et la discussion, généralement, c'est vrai qu'il existe en finance des modèles très, 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 très sophistiqués qui permettent de valoriser des startups, mais généralement, au fond, on se rend compte que souvent cela se résume à une règle de 3. Combien êtes-vous prêt à me donner, et en contrepartie, combien je suis prêt à vous céder dans le capital de ma société. Et c'est cela qui crée en fait la valeur de cette société au démarrage, lorsque il y a un investissement. Et c'est quand même assez incroyable, parce que lorsque l'on démarre une start-up, généralement, bon, on a foi en son business plan, on rédige un business plan avec des chiffres assez sophistiqués. Et au fond, lorsqu'on rencontre un business angel, concrètement, les choses se passent de manière assez terre-à-terre au début. On s'arrête là, si vous voulez, et puis on revient aux questions. Oui, très bien. On vous retrouve aux questions. Philippe Vidal, quand on a échangé ensemble pour préparer ce débat, vous m'aviez dit que vous alliez jouer le rôle du banquier de service. Ah oui. Et quels critères regarde une banque pour évaluer une entreprise? J'ai dit je joue le banquier de service parce que je trouve que le thème est très très vaste. Donc Patricia l'a bien introduit avec Elisabeth tout à l'heure. Donc il fallait bien choisir un angle d'attaque. Et donc je me suis dit, on est d'abord une entreprise bancaire.
Et le thème, c'est la valorisation de tout ce qui n'est pas matériel. Donc l'immatériel dans la banque, c'est beaucoup de choses en tant qu'entreprise. Et puis le deuxième aspect, c'est qu'on a des clients qui sont beaucoup dans l'immatériel et il faut bien les financer. Donc comment on finance l'immatériel, le numérique et toutes ces transformations qui sont absolument nécessaires. Donc sous l'angle de l'entreprise, je dirais que le premier critère, première valeur immatérielle, ça a été déjà un mot employé tout à l'heure là, par M. Camaillou, c'est la confiance. C'est-à-dire quelque chose qui ne se mesure absolument pas. Alors là, il n'y a pas de critère absolu pour mesurer la confiance. Mais la confiance, vous la ressentez, vous la vivez. Et c'est quand même ça qui fait que les gens vous apportent leurs capitaux, que vous êtes en mesure de les accompagner dans la durée, que ce soit du capital ou de la dette ou je ne sais pas quoi, dans la durée. Et donc la confiance, ce n'est pas un phénomène ponctuel. Alors comment on obtient la confiance ? Parce que pas si on a la confiance de tous nos clients, mais en tout cas de pas mal de clients. Et in fine, si vous développez, c'est que vous avez à peu près réussi. Comment obtenir la confiance ? Dans une entreprise de service, et il y a beaucoup et de plus en plus d'entreprises de service, il faut que toute l'entreprise soit mobilisée autour du client. Comment vous mobilisez les gens autour du client ? Avec des gens qui se sentent responsables, investis de l'ensemble de valeurs qui sont celles de l'entreprise, tournées vers les clients, qui sont des valeurs cohérentes avec le positionnement dans la société, environnementale, sociétale, tout ce que vous voulez, et qui portent suffisamment ces valeurs vis-à-vis des services et des clients auxquels on s'adresse pour que ça soit correctement ressenti et vécu. Une décision de crédit, il faut qu'elle soit prise rapidement. Le traitement des opérations, le sens du service. Le client pose une question, il faut que les gens puissent prendre en charge l'ensemble des opérations concernées. Donc comment le faire ? Comment responsabiliser les gens ? Il faut leur en donner les moyens, parce que vous dire vous êtes responsable, mais si vous ne vous donnez pas les moyens d'être responsable, c'est un corner absolu, c'est un piège. Donc leur donner les moyens, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà, c'est un état d'esprit au niveau du management, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le management du contrôle, vous êtes dans le management qui accompagne, mais vous êtes également dans une logique où vous mettez en place tous les outils qui permettent aux gens de travailler de manière efficace et d'être, pour l'essentiel des activités, responsable, opérationnel, complètement décideur, etc. Et quand vous êtes banquier, avec les régulateurs que nous avons, il y a eu d'autres sessions tout à l'heure, là, où on a bien entendu parler de la nécessité d'avoir des règlements, de bien connaître ses clients, d'avoir suffisamment de fonds propres, d'être suffisamment rigoureux dans la gestion du métier, et on comprend bien la nécessité du pourquoi, nous sommes quand même avec une forme de petite contradiction. Alors comment on le fait concrètement ? Système d'information extrêmement décentralisé, à la fois centralisé et décentralisé, centralisé pour que l'information soit accessible en temps réel. Si on veut faire du numérique aujourd'hui, le client doit pouvoir traiter ses opérations, quel que soit le canal de traitement. Aujourd'hui, on a plus d'opérations avec ça que par Internet. Donc la banque, elle est déjà dans la poche de tout le monde. Là où ça a démarré, d'ailleurs, c'est plutôt l'Afrique, hein, mais bon, c'est l'Europe s'y met. Donc on a des agences et on a du téléphone comme ça qui permet de traiter toutes ces opérations. Donc on doit avoir du temps réel, on doit avoir une décentralisation très forte et on doit permettre à nos conseillers d'avoir la qualité de conseil qui leur permet d'être efficace. Et quand les clients aujourd'hui peuvent accéder à tellement d'informations par eux-mêmes, par Internet, les rendre efficaces, ça veut dire qu'on leur donne les moyens d'utiliser l'intelligence artificielle pour être eux-mêmes avec une valeur ajoutée supplémentaire. Voilà, donc ça c'est quelques éléments de cadrage que je voulais indiquer, qui permettent finalement de créer de la confiance, de l'efficacité, du numérique, et dans une logique d'évolution où on considère que les efforts de formation que nous aurons à faire dans l'entreprise, les efforts d'accompagnement aussi de nos clients, parce que la technologie évolue vite, les clients parfois moins vite, hein, donc ça c'est quelque chose qu'on doit fonctionner à éventuellement plusieurs dimensions, c'est quelque chose sur lequel on investit beaucoup. Alors, si je veux dire quelques mots sur le financement, que ça soit des start-up ou pas des start-up, hein, on est dans l'immatériel, donc c'est souvent lié à des nouveaux projets, c'est souvent lié au changement dans l'entreprise absolument nécessaire pour introduire d'autres modes de fonctionnement, introduire le numérique.
lorsqu'on est sur une entreprise, finalement, l'objectif, c'est toujours de s'assurer que le crédit pourra être remboursé. C'est assez basique, mais je crois qu'il ne faut pas perdre ça de vue. Alors, pour le financement, si on caricature les choses, vous avez des fonds propres. Les entreprises françaises n'en ont en général pas assez. Vous avez des dettes qui sont à l'autre bout, qui sont sécurisées, du poste client, des stocks, des choses comme ça. Voilà, ça, c'est facile à financer. Et puis, vous avez, entre les deux, des dettes qui sont moyennement sécurisées. Ça va être du financement de ces opérations de transformation d'entreprise, d'investissement, et sur lesquelles la rationalité, c'est de regarder si les cash flows que l'entreprise va dégager permettront ou non de rembourser ces crédits en question. Au fond, le financement de l'immatériel, c'est le financement classique de l'entreprise, tel qu'on le fait sur d'autres opérations. Voilà. Donc on apporte des fonds propres, on fait aussi du capital risque, comme M. Camaillou, mais on a mis 100 millions. Alors les dossiers, ils font pas 10 pages, hein. Les dossiers d'analyse font 40 pages. C'est vrai qu'à la fin, c'est toujours un pari sur les hommes, et c'est toujours de la confiance. Les dossiers de la banque, les dossiers. Voilà. Là, on fait de la banque et du capital risque. On fait tous les métiers qui permettent d'accompagner les clients dans la durée. C'est ça, notre mission, elle est beaucoup plus large que de faire de la banque. Et alors, quand on regarde la richesse d'une entreprise, on regarde aussi sa réputation. Est-ce que la réputation a une valeur, Madame Barbizet ? C'est extrêmement important, la réputation d'une entreprise. Quelqu'un a même chiffré, un économiste a chiffré en disant que ça représentait 25% de la valeur d'une entreprise. Alors, c'est évidemment très différent selon le type de l'entreprise. C'est quelque chose qui se bâtit dans la durée, qui peut se défaire aujourd'hui en quelques clics, quelques tweets, et qui met extrêmement longtemps à se reconstituer. Donc c'est un sujet extrêmement de préoccupation. Tout le monde, toutes les entreprises maintenant, ils sont infiniment attachés. On y veille par des études, on le teste, on le mesure, on y est très très attentif, parce que c'est une part considérable de l'entreprise. Ça peut vraiment la mettre à bas très rapidement si on n'y prend pas garde. Et donc il y a des exemples d'entreprises, hein, qu'elles soient pharmaceutiques ou qu'elles soient pour un scandale, qui ont mis des années. La première qui avait eu un problème de réputation, je crois, il y a 40 ans, c'était Perrier aux États-Unis. Et ça, ils ont mis des années à s'en remettre. Aujourd'hui, c'est évidemment encore plus rapide avec les réseaux sociaux, avec les blogs, avec les tweets et autres diversions de la réputation qui peuvent se faire. Donc c'est extrêmement important. Alors comment est-ce que ça se valorise ? Il y a des méthodes quand même. On mesure, on sait mesurer le nombre de les clients, on fait des études de marché, on regarde ce que les clients pensent, est-ce qu'ils vont recommander l'entreprise à quelqu'un d'autre. Donc il y a quand même des tas d'instruments pour mesurer la réputation positive et pour mesurer l'ampleur de la réputation de l'entreprise. Mais oui, ça a une valeur assez considérable et je pense de plus en plus il faut veiller sur la réputation comme le lait sur le feu. Et puis quand je pense à la valorisation, enfin une réputation aussi, la richesse d'une marque, on a vu les exemples de Facebook, de Twitter, de combien ça vaut, de combien ça s'effondre des fois à la bourse. Diana Filipova, est-ce qu'il n'y a pas des bulles autour de ces grandes marques ? Marques de luxe. De luxe aussi. Si je vous dis un mot sur les marques de luxe, oui. Effectivement, les marques, la marque fait partie extraordinairement du patrimoine d'une entreprise de luxe de manière extrêmement importante. Parce qu'elle n'est pas seulement le produit, elle est l'expérience que le client peut avoir en allant acheter un produit avec l'accueil dont il bénéficiera, avec l'appartenance à une communauté, avec le produit lui-même, bien sûr. Un exemple. Un sac à main d'une marque de luxe, c'est une expérience d'aller dans la boutique, d'avoir réfléchi sur Internet, d'avoir regardé, mais l'accueil qui ira avec, la qualité du produit. On s'attend à trouver, quand on achète un produit de luxe, on s'attend à trouver trois choses probablement. Un produit dans son extrême qualité et sa durabilité. Je pense que les produits de luxe sont autant des investissements que des dépenses. On s'attend à trouver un accueil et une façon de transmettre ce produit entre l'acheteur et autre. Et on s'attend à trouver aussi l'appartenance à une communauté de gens qui détiennent ces produits, qui ont envie de les détenir, et qui les utiliseront et qui en parleront d'ailleurs, parce que les cercles de clients qui évoquent les produits, qui en parlent et qui se sentent appartenir à cette communauté, je n'irai pas jusqu'à l'économie collaborative des détenteurs de luxe, mais il y a quand même, on y retrouve les trois ferments que vous évoquez dans l'économie collaborative, qui sont le client est au centre, la confiance et la communauté sont essentielles,
et le sens. Et je pense que le sens développement durable, responsabilité sociale et environnementale des entreprises de luxe est considérable, à la fois dans le maintien des ressources rares dont ils ont besoin et dans l'accompagnement aussi de chacune des valeurs. Dans les grandes entreprises de luxe, on attache de l'importance à ces points d'environnement depuis le début des produits, savoir d'où ils viennent, qui les a fait, comment ils ont été traités. Et ça, les clients et les consommateurs sont très, très attentifs à ça. Donc, c'est toutes sortes d'éléments qui vont avec. Et pour le numérique, Diana Filipova, alors on a beaucoup parlé de la valorisation de Facebook, de Twitter. Est-ce qu'il y a des bulles autour de ces entreprises ? C'est vraiment difficile de répondre à cette question avant que la bulle n'éclate, en fait, comme d'habitude, d'anticiper. Votre sentiment, vous ? Je pense qu'en fait, il y a deux niveaux sur lesquels il faut réfléchir. D'une part, c'est la valorisation d'une entreprise du numérique. Il faut quand même comprendre que derrière, les personnes qui investissent dans Facebook, Facebook, c'est une entreprise publique maintenant, enfin, elle est valorisée. Voilà. Mais dans Uber, par exemple, pour prendre un exemple, ce sont des investisseurs, on va dire, qualifiés qui savent le risque qu'ils prennent, qui ont passé du temps à étudier le dossier d'Uber et qui ont pris le temps, en fait, de valoriser ça. En fait, même si une bulle éclate, elle a déjà éclaté en 2000 et il y aura d'autres bulles, c'est naturel, il y a toujours des bulles dans un cycle économique, ça ne va pas forcément prononcer la fin de notre économie. Ça va effectivement mettre à risque certains investisseurs, mais ces investisseurs-là, justement, ils prennent des risques parce qu'ils attendent des retours élevés. Le problème, je pense, dans le numérique, c'est qu'il a tendance à reporter les risques sur les personnes individuelles. Donc, on a beaucoup parlé d'économie collaborative, donc de la confiance. Alors, comment aujourd'hui on mesure la confiance dans l'économie collaborative ? De façon très simple, c'est le nombre d'étoiles que vous avez sur votre profil, en tant que consommateur, évidemment, mais surtout en tant que travailleur. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, puisque dans un cas, vous allez peut-être avoir un peu plus de mal de louer un appartement sur Airbnb. Dans l'autre cas, vous allez tout simplement vous faire écarter par la plateforme qui va vous interdire l'accès à ce qui est en fait votre outil de production principal. Et donc cette individualisation du risque, qu'on retrouve également, par exemple, je prends un exemple très simple, pour les entrepreneurs aujourd'hui, ce qui conditionne souvent le choix d'une ville où ils vont aller s'établir pour lancer leur start-up, ce n'est pas, comme on l'entend souvent, la complexité administrative, fiscale, etc., parce que la France est censée être mal placée, pourtant on attire beaucoup d'entrepreneurs, c'est le coût du logement et la capacité à louer un appartement où il pourra établir sa salle de bain, sa chambre et son bureau. Et sur ce plan-là, par exemple, Londres est très compliqué, c'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs en partent. Paris est plutôt pas très bien, c'est pour ça que Station F, par exemple, est en train de construire tout un parc de logements pour les entrepreneurs, à prix bas, mais c'est pas moins ça le problème que, en fait, ils auraient la capacité à louer sans forcément avoir à produire des faux documents pour s'assurer de pouvoir le faire. Et Berlin reste extrêmement attractif, attire beaucoup notamment de boîtes de la fintech, alors même que ce n'est pas forcément la ville allemande dont on pense le plus quand on pense banque. On pense plutôt à Munich et à d'autres choses. Donc voilà. Ce que le numérique produit, on peut tirer la corde et imaginer une société où tout le monde est noté sur à peu près chaque chose. Des films l'ont fait, la littérature est là pour ça, mais aujourd'hui, il faut clairement en tirer les conséquences. Et les conséquences, c'est quoi ? C'est la redéfinition du rôle de l'État, ou de la puissance publique, dont on attend qu'il puisse faire en sorte qu'un certain nombre de risques soient socialisés. Voilà, on va dire le poids de ces risques-là ne porte pas exclusivement sur l'individu. Il est un État plus agile sur ces questions-là. C'est pas un État plus agile, c'est un État qui soit capable de comprendre ces risques-là, d'où ils viennent, et qui trouve des solutions et des politiques nouvelles qui permettent de les socialiser sans tuer toute cette flexibilité, cette innovation qui est propre au numérique et à la technologie, et qu'on voudrait sauvegarder, parce que c'est ça qui nous permettrait demain d'avoir une croissance et de donner un nouvel élan aux sociétés européennes et occidentales qui sont un peu en berne. Si l'État échoue à le faire, et notamment pour tous ceux qui sont victimes de cette transformation numérique, on se retrouve déjà, dans certains pays, dans une crise politique majeure, où les personnes en fait, qui sont préoccupées non pas par
la confiance, ou enfin toutes ces questions-là en fait qui sont dont on parle parce qu'on est quand même des privilégiés, on est dans cette économie, mais tout simplement par le fait qu'ils sont, ça fait 6 ans qu'ils sont au chômage, ils ne retrouveront jamais de travail et ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas la réputation justement nécessaire pour s'insérer dans cette nouvelle économie. Ils ont encore quelque chose qu'ils peuvent faire, c'est aller voter et voter dans un sens qui ne va pas forcément être favorable au développement progressif de cette nouvelle économie. Donc c'est l'enjeu, il est extrêmement important, et il est politique. Christian Camaillon, on peut revenir sur le capital humain. Le capital humain en Afrique, c'est vraiment essentiel. Quelle valorisation Oui, le capital humain, c'est très important, surtout en Afrique d'ailleurs. Pour une raison simple, l'Afrique est un continent jeune. C'est un continent dans lequel 70% de la population a moins de 30 ans. Et c'est extraordinaire parce que ça pose des défis immenses sur plein de sujets, par exemple en termes d'éducation. À mon avis, selon moi, c'est le principal potentiel de l'Afrique au-delà de ses richesses naturelles. Parce que généralement, quand on parle d'Afrique, on pense à la richesse de son sous-sol, mais je pense plutôt que la richesse de l'Afrique, ce sont ces hommes, et en particulier la jeunesse. Et concernant les startups, évidemment, généralement, elles sont créées par des jeunes. Donc, l'initiative que j'ai mis en place, donc qui s'appelle My African Startup, a pour but de parcourir l'Afrique pour identifier les startups les plus prometteuses. Donc chaque année, on publie un palmarès qui recense les 100 meilleures startups du continent, les plus innovantes. Mais il y a des pays plus particulièrement qui sont plus innovants que d'autres en Afrique. Les pays qui comptent le plus, je pense au Nigeria, au Kenya et il y a l'Afrique du Sud. Donc ce sont les trois pays les plus dynamiques. Et pour conclure, lancer un palmarès comme ça de 100 startups africaines dans le but de les faire connaître en Afrique et à l'international, l'objectif, c'est d'attirer l'attention des investisseurs et de valoriser la richesse que ces jeunes sont en train de créer. Patricia Barbizet, au niveau du capital humain, c'est aussi important en entreprise, surtout la jeune génération, vous regardez ça ? C'est absolument capital, mais justement d'ailleurs, je crois que toutes les entreprises sont en train de se poser la question de savoir comment elles vont former leurs collaborateurs pour l'étape d'après, et notamment la digitalisation naturellement, et puis pour d'autres métiers que ceux qui existent aujourd'hui. Les mêmes entreprises sont aussi assez soucieuses de leur écosystème, et des entreprises, elles ont toutes des incubateurs, elles ont toutes des accompagnements d'entreprises qui ne sont pas directement chez elles, mais qui sont dans l'environnement et qui sont dans les métiers qu'elles-mêmes vont aborder dans les années futures. Et je pense que dans le rôle des business angels, alors qu'ils soient petits ou grands, qu'ils soient pour des vraiment toutes start-up ou un peu plus, il y a aussi une dimension qui est extrêmement importante, c'est l'accompagnement. Ce n'est pas seulement de l'argent, c'est aussi de l'argent. Et alors sur la valorisation que vous évoquiez tout à l'heure, je pense qu'il y a un gros travail à faire, et qui se fait d'ailleurs entre les business angels et les start-up, pour valoriser pas seulement combien ça vaudra dans quelques années quand ce sera très successful, parce que l'idée était très bonne, mais aussi maintenant, quelle est la validité d'un business plan ? Comment est-ce qu'on peut aider une start-up à voir si vraiment les chiffres qu'ils mettent sont totalement oniriques ou s'ils sont tout à fait réels ? Quels sont les besoins dont l'entreprise aura nécessité pour mettre en œuvre ce business plan ? Et comment on peut accompagner, avec de l'argent bien sûr, mais en fonction des besoins et dans la juste proportion, dans la juste mesure, là encore, en échange de quelque chose qui est souvent des parts de capital ou un droit à avoir, mais pas seulement, mais aussi un soutien technique. Le grand privilège des grandes entreprises, c'est de pouvoir, en effet, ne pas développer en interne un certain nombre de choses, parce que c'est trop vaste, mais avoir des paris très répartis sur une grande quantité d'entreprises qu'on peut accompagner dans leur développement, soit localement, soit dans leur globalisation. Comment est-ce qu'on peut les accompagner pour certaines quand elles ont déjà fait leurs preuves, qu'elles ont déjà du chiffre d'affaires, qu'elles ont déjà des clients, ce qui sont quand même les choses les plus importantes à avoir au-delà de l'idée, mais les premiers clients et des premiers revenus, et qu'elles commencent à s'internationaliser, comment est-ce qu'on peut leur apporter un support juridique, un support financier, un support fiscal, un support de savoir-faire. Ce qui me frappe beaucoup dans les entreprises, les start-up qui se développent et qui notamment commencent à s'exporter,
c'est que c'est déjà très difficile d'être un jeune chef d'entreprise et d'avoir créé une start-up. C'est déjà extrêmement valeureux d'avoir une idée et d'avoir eu la ténacité de la mettre en œuvre. C'est difficile aussi, et quand on s'exporte, c'est l'expérience qu'on a, que ces jeunes chefs d'entreprise ont de chefs d'entreprise, elle est très récente. Dans ce cas-là, on peut leur apporter énormément d'expérience que nous, on aura accumulée dans nos entreprises. On aura des gens qui auront déjà accompagné des sociétés qui se développent, accompagné des filiales. Et je pense qu'il y a un rôle essentiel dans le partage qu'on peut faire, dans l'économie du partage, ce que les grandes entreprises peuvent apporter aux plus petites et aux start-up, c'est ce savoir-faire dans leur développement sous de multiples aspects. Et je trouve que ça, c'est un des points essentiels qui permettra de partager, de créer et de partager les richesses plus tard. Très bien, merci. Je vais demander s'il y a des questions dans la salle. Est-ce que vous avez des questions à poser aux différents intervenants? Monsieur, allez-y, je crois qu'on n'a pas besoin de micro, on va vous entendre, sinon je répéterai la question. Et puis monsieur derrière, après. Contribuer de manière déterminante à l'accroissement de la valeur de Facebook, puisque c'est venu nourrir complètement la croissance de Facebook sur toute la partie, sur les jeunes et sur la partie mobile. Donc, ma question, elle est, est-ce que, justement, et vous l'avez évoqué, Philippe, puisqu'on bascule sur la partie client, dans l'économie de la connaissance, on a un déplacement de la valeur des produits vers la connaissance client, et est-ce que donc, dans la valorisation de la richesse, les deux clés d'un bout à l'autre de la chaîne, ce ne sont pas d'un côté les clients et d'un autre côté, comme Patricia l'évoquait, le capital humain des collaborateurs, parce que c'est ça qui fait la valeur potentiellement infinie ou assez élevée d'une entreprise. Merci. Monsieur Vidal. Peut-être un petit éclairage en revenant sur un point tout à l'heure, parce qu'on a évoqué Twitter et Facebook. En fait, c'est deux évolutions très différentes de valeur. Twitter, ça continue à perdre de l'argent et Facebook, ça commence à en gagner de manière très importante en valorisant bien les données. Donc, voilà. Alors ensuite, la question de la start-up et de la grande entreprise, c'est au fond les limites de la start-up qui est clientèle limitée par nature, parce que par rapport à des grands groupes, c'est les moyens d'accompagnement qui sont eux-mêmes assez limités, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Et dans le domaine de la banque, c'est encore pire, parce qu'il y a toute la réglementation qui vient dessus. Et donc, on ne peut même pas, quand on est une start-up, continuer, même si le modèle est intelligent, etc., dans la durée, développer ses activités. Donc, il y a 3 ans, 4 ans, une tribune comme celle-là, un peu en dessous, il y avait à la table le patron de KissKiss Bank Bank. Hein, je découvrais le crowdfunding. Bon, ça ne m'a pas fait vraiment peur, mais enfin, je trouvais que c'était intéressant et que ça permettait de rassembler l'argent des amis au sens large, quoi, au sens des gens qui partagent les mêmes idées, les mêmes convictions sur des projets. Et aujourd'hui, il est racheté par la Banque Postale, comme vous le savez. Vous avez également le compte Nickel adossé sur BNP. Et donc, c'est vrai que cette création de nouveautés, finalement, est tout à fait intéressante. Et au bout d'un moment, elle ne trouve sa plénitude, sa valeur, son développement, son avenir même, qu'adossé sur un grand groupe. Alors, il y a différentes manières de faire. Il y a, pour développer des start-up dans le domaine que je connais, encore une fois, le mieux, mais je pense que c'est transposable dans d'autres activités, je l'ai fait dans le passé, c'est que la jeune entreprise, comme Patricia l'a souligné tout à l'heure, elle a besoin d'être accompagnée, pas que de l'argent, des compétences, de l'expérience, des savoir-faire, des gens qui sont plantés, qui ont réussi, qui donneront le petit coup de main, qui évitera les écueils et qui permettra d'aller plus loin. C'est tout à fait important, c'est un critère déterminant pour le banquier de base, pour savoir s'il accompagne ou non une jeune entreprise. On l'appelle start-up aujourd'hui parce qu'il y a la technologie de plus, mais c'est la même chose depuis des années et des années. Donc ça, c'est tout à fait important. Ensuite, les entreprises n'ont pas assez de fonds propres. Donc nous, entreprises françaises en particulier, parce qu'on a cette phobie du risque, et donc là, on a un travail culturel important à faire. J'espère qu'on va faire des progrès, mais voilà, c'est un...
je l'espère depuis tellement d'années que je ne sais pas si on va y arriver, mais la fiscalité est très, très tournée vers les produits à faible risque. Il faut aller plus loin. Il faut mettre l'argent d'une partie de la famille et des amis dans des entreprises. C'est superbe, superbe. Il faut que ça soit aussi encouragé. Et donc, si on fait ça, ça donnera aussi une autre perspective et les gens se mettront un petit peu plus sur les fonds propres, sur l'equity, qui est absolument nécessaire pour donner un avenir à nos entreprises. Mais il y a une proportion sur les fonds propres ? Quelle proportion sur la Ça dépend des secteurs, des secteurs à faible risque, des secteurs à risque élevé. Si on veut développer une start-up dans le numérique, avec simplement une idée, on n'y arrive pas. Hein, ça, on est d'accord avec ce qu'il y a. Voilà. Donc, une idée, ça ne suffit pas. Il faut un business plan, il faut discuter de tout ça. Et il faut beaucoup d'accompagnement, un peu en crédit, un peu en fonds propres. Il y a différentes manières de faire, c'est du cas par cas après. Il y a un autre élément qui a été évoqué tout à l'heure, sur lequel je rebondis bien volontiers, parce que c'est tout à fait important. Patricia parlait de la réputation, pour nous aussi. Enfin, j'ai beaucoup parlé de confiance, et la confiance et la réputation, c'est deux valeurs qui vont avec. Alors, le Crédit Mutuel, qui est l'actionnaire du CIC, le CIC, sont les deux banques qui sont les mieux classées parmi les banques. Je peux vous dire qu'on regarde ça comme le lait sur le feu et qu'on est très attentif à tous les problèmes comportementaux d'image qui peuvent altérer cette réputation. Et comme tu le disais tout à l'heure, ça va très très vite, très très vite. Alors dans le domaine de la santé, vous avez ça passe aujourd'hui par les réseaux sociaux où les gens vont prendre des images sur des animaux qui sont élevés dans des conditions qui paraissent difficiles. On n'a que les images difficiles qui sont évidemment publiées, on n'a pas tout le reste de la chaîne de valeur. Tout ça, c'est aujourd'hui un monde des médias qui est parfois un petit peu biaisé, mais il faut faire avec. On ne peut pas faire l'économie aujourd'hui de regarder toutes ces technologies et cette façon de voir notre société, qui est beaucoup plus dure, c'est vrai au plan politique, c'est vrai sur des tas d'aspects qu'avant. Donc voilà, à nous entrepreneurs, à être attentifs à tout ça. Merci. Pardon. Une autre question au fond de la salle. Sylvestre Lode-Marsac, avocat. Je vais rebondir sur ce que disait M. Camaillou à propos de la difficulté de valoriser des start-up. Et effectivement, est-ce que ça ne crée pas un frein au financement, cette impossibilité ou cette grande difficulté de valoriser une start-up? Et la deuxième question, c'est dans le mode de valorisation, on raisonne très souvent en revenus futurs, en discounted cash flow. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi prendre en considération l'économie que, par exemple, la grande banque qui va investir dans une start-up qui offre une solution d'intelligence artificielle qui va lui permettre de réduire ses coûts et notamment ses coûts de production? Est-ce que donc il faut aussi prendre en considération dans la valorisation l'économie que cette start-up va permettre de réaliser. Monsieur Camaillou, est-ce que vous voulez répondre à la question? Oui, la première question concernant la difficulté de valoriser une start-up, est-ce que c'est un frein? Non, c'est pas un frein. Mais aujourd'hui, les écosystèmes sont tellement bien structurés. Il y a un marché de la levée de fonds qui est très actif en France. Il y a énormément de transactions qui se font. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. Dans la communauté des startups, généralement, on parle d'amorçage lorsque on démarre une première levée de fonds. Et généralement, bon, les montants en amorçage se situent autour de... C'est des fourchettes qui varient entre 400 et 600 000 euros. Mais en France, il n'y a pas de grande difficulté aujourd'hui à lever des fonds. Les capitaux sont là. Il y a vraiment des réseaux de business angels très, très actifs. Il y a des fonds de capital risque. Donc, ce n'est pas, il y a pas vraiment de frein à la levée de fonds. La deuxième question concernait... Vous pouvez reformuler, s'il vous plaît. Ah oui, est-ce que ça se complique au deuxième tour? Est-ce qu'on prend en compte? Oui. Vu les économies qu'il va faire plus tard.
exemple, oui. Je vais peut-être donner juste un éclairage, un éclairage rapide sur un sujet. Donc, nous-mêmes, nous avons regardé dans notre groupe, on a nos startups, on a 6000 développeurs qui font de l'informatique tous les jours, donc c'est pour nous essentiel. Bon, OK. À côté de ça, il y a des gens qui développent des services qui peuvent être intéressants. Donc, dans la salle, je crois qu'il y a des gens qui connaissent, mais je ne vais pas aller dans le détail. On en a regardé une, intéressant. Ce qui nous intéressait, c'était, on peut tout à fait développer la même chose, c'était le time to market, c'est-à-dire gagner 6 mois de mise sur le marché des produits. La valeur de l'entreprise qui nous a été demandée, c'était, pour donner un ordre de grandeur, 30. Voilà. On a dit 30, c'est pas possible, on n'arrive pas à valoriser ça, même avec les économies, le time to market et tout ça. Donc ça, on ne fait pas. Et il a dit, on va faire avec un autre, on va faire avec un autre. Et puis, 6 mois après, finalement, il n'y avait pas d'autre qui avait fait. Et donc, l'entreprise était au bord du dépôt de bilan et on reprend juste quelques personnes et quelques logiciels. C'est ça les startups. C'est ça aussi. C'est-à-dire que ça peut être brillantissime, ça peut être formidable et ça peut être, ça va très très vite, très très vite. Une autre question ? Alice, monsieur. On vous a coupé la deuxième question, on va revenir après. Oui, Charles Castola. Je suis président du Lab de commerce d'Aix-en-Provence et Business Angel par ailleurs aussi. La question dont je trouvais passionnante en contre exposé sur la valorisation de la richesse, mais jamais personne n'a parlé de trésorerie. Et il me semble que la valorisation d'une entreprise dans ce qu'elle est ou dans ce qu'elle va être, c'est aussi la trésorerie qu'elle est capable de générer et la capacité du dirigeant, du start-upper, à prendre en compte cette trésorerie et cette ligne blanche, en quelque sorte, qu'il... C'était un point de vue sur la valorisation. Et donc, ma question, c'est comment vous le prenez en compte et est-ce que vous le prenez en compte dans les évaluations de type start-up ? J'avais une deuxième question qui était pour le banquier, si vous le permettez. Je me pose la question de savoir pourquoi les banques ne financent pas facilement les besoins en fonds de roulement des entreprises de la vieille économie. À ce moment-là. Je ne parlerai pas de start-up, je parlerai de ce qui est mon monde on à sent moi. L'expérience. Je parlerai de mon monde à moi, vous savez, le monde des vieillards. À un moment donné, les choses se font normalement, on dépense ce qu'on gagne, on emprunte ce qu'on peut rembourser, etc. Et je suis surpris, si vous voulez, donc c'est une question que je voulais vous poser, je crois que j'ai la réponse, mais je veux quand même vous poser la question. Je suis surpris, par exemple, dans nombre de cas concrets que nous avons le malheur de traiter, hélas, d'avoir des entreprises nouvelles, des commerçants en particulier, qui sont créés depuis moins de 3 ans, deux ans et demi, et qui ont bénéficié de la part de la banque d'un financement extraordinaire concernant l'acquisition du fonds de commerce, c'est-à-dire de l'immatériel, lequel fonds de commerce, bien évidemment, a été cautionné par le papa, la maman, la grand-mère, la tante, enfin, etc. Donc, il y a toutes les sûretés que le banquier peut avoir. Mais par contre, le bilan de l'entreprise, lui-même de l'entreprise attachée à ce fonds de commerce et qui est donc créé suite à l'acquisition du fonds de commerce, lui-même, ce bilan-là, manifestement, dans son côté prévisionnel, a des gouffres, je dirais, financiers. D'accord. Et les besoins fonds de roulement ne sont pas financés. Donc, la question que je vous posais, c'est pourquoi ne le faites-vous pas en même temps au moment de la création ? Alors, Monsieur Camayou, d'abord, au niveau de la trésorerie, est-ce que vous prenez en compte les besoins de trésorerie ? Oui, la trésorerie, c'est vital, hein, c'est le nerf de la guerre. Il faut pouvoir gérer son cash dans la valorisation de la start-up. Ce qui compte, ce sont les flux de revenus futurs qui vont être générés durant la vie de la société. Vous qui êtes investisseur, c'est ce que vous allez regarder. Mais si vous avez un débat avec une start-up, je pense que le débat, ça va se situer au niveau des hypothèses. Quelles sont les hypothèses qui amènent le start-upper à imaginer ses flux de revenus futurs ? Et c'est là où c'est votre degré de confiance au projet va intervenir. Quelqu'un d'autre veut réagir ? Sur la trésorerie, moi j'ai commencé ma vie comme trésorier, donc j'ai appris à l'époque qu'on faisait toujours faillite par la trésorerie et jamais par les pertes, ça c'est bien connu. Je crois que ça s'est énormément pris en compte, notamment parce qu'au départ de sa vie, une jeune entreprise, elle brûle du cash. Et donc dans les critères qu'on regarde, il y a évidemment le critère principal qui est-ce qu'elle va avoir un produit qui va attirer des clients et qu'est-ce que ses clients seront prêts à payer pour ce produit et la valeur de ce produit pour le client. Et c'est ça qui fonde toutes les constructions de business plan et qui fondent tout le débat avec les business angels. Mais bien entendu, pour arriver à ce degré-là, il y aura un moment où il y aura des besoins et c'est crucial que tout le monde, le start-upper, le jeune chef d'entreprise, mais aussi et beaucoup l'investisseur,
l'aide à faire un plan de trésorerie qui soit sûr et qui puisse avoir les hauts et les bas que inévitablement l'entreprise connaîtra. Sinon, elle risque de tomber effectivement sur un écueil et de la falaise. Même si son idée est très très bonne, si on ne prend pas en compte ce critère-là, je crois qu'on a plusieurs chances de tomber malade et peut-être même mort. Diana. Alors, c'est effectivement la question de la trésorerie. En fait, c'est aujourd'hui, je pense, le facteur principal de réussite, enfin pas de réussite, mais de la capacité d'une start-up à continuer ou à fermer, mettre la clé sous la porte et échouer, quand bien même elle prévoit un retournement ou un changement de plan ou de pivot qui pourrait la remettre sur les rails. Et c'est pour ça, en fait, que le financement en venture capital seul fait peser en fait également un risque très important sur le cash flow, quoi. C'est vraiment, elle arrive au mur, elle va tout simplement pas réussir à relever immédiatement. Elle va dépenser beaucoup de temps en plus, notamment le temps de fondateur, donc les personnes en fait qui font en général tourner la boîte pour essayer de relever. Elle va quand même fermer, mettre la clé sous la porte. C'est le cas dans pas mal d'échecs de start-up de ces dernières années en France. Je pense à Equitizy. Je pense à Jump, qui a fermé ses portes parce qu'ils n'ont pas réussi à relever. Je pense à Save, qui ont dû complètement pivoter et se mettre en procédure de sauvegarde. Toutes ces startups, en fait, elles ont été confrontées à ça. Donc, en fait, ça pose la première question, c'est la dépendance entre le venture capital classique, on va dire, et la startup par rapport au VC classique. Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives de financement, notamment pour des startups qui ont des plans de développement à plus long terme, qui ont plus de mal à trouver le market fit et à déboucher sur le marché, qui sont plus intensifs en technologie, donc qui brûlent beaucoup de cash, ou alors qui ont besoin d'avoir beaucoup on va dire d'ingénieurs AI par exemple de très haut niveau, donc qui brûlent beaucoup de cash en salaire et pas seulement en coût de fonctionnement. Et donc c'est là où la question du corporate venture dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de s'adosser à une entreprise qui a quand même une stabilité et une capacité à tolérer l'incertitude qui est un peu différente de celle des investisseurs classiques est très intéressant. Je pense qu'en France, on est le pays qui peut développer une sorte de collaboration triangulaire VC, financement public et corporate venture qui pourrait être assez intéressant. Et la deuxième question, évidemment, c'est pour les startups qui interviennent dans un domaine de développement, de R&D lourde qui pourrait bénéficier notamment à l'intérêt général. Je pense par exemple à tout ce qui concerne l'environnement, des solutions qui pourraient être intégrées au fonctionnement de l'État, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement un mode de financement à trouver où le cash wall ne les empêcherait pas, enfin ne les obligerait pas à fermer boutique, alors même que tout simplement ils travaillent sur des sujets particulièrement risqués, mais avec un payoff public, un payoff d'intérêt général particulièrement élevé. Pardon, je suis passée en mode jargon, là, c'est fini. Un retour sur investissement public qui est également très important pour le public et non seulement pour les investisseurs. Je crois que la BPI le fait, en fait, déjà, essaie de le faire. La Banque publique d'investissement, je pense que c'est son objectif. Elle investit énormément, elle double son investissement tous les ans. Elle arrive, en fait, à conjuguer, je n'ai pas d'intérêt dans la BPI, hein, je précise tout de suite, elle arrive à conjuguer quand même l'intérêt général avec un comportement qui est assez proche de ceux des investisseurs privés. Comme d'habitude, on est extrêmement critiqué également pour la BPI, par exemple, par certains personnes de l'écosystème et également par les pays anglo-saxons, parce que en fait, ça introduit des lourdeurs administratives, des objectifs qui nuisent à cette agilité de la start-up. Or, la start-up, si elle a un avantage compétitif absolu par rapport à un grand groupe, c'est son absolue agilité, sa capacité à aller vite sur beaucoup d'autres choses. Elle est au contraire... Donc tout ce qui la stoppe là-dessus, tout ce qui la freine, risque de freiner tout simplement sa réussite future. On va répondre à la deuxième question de monsieur Philippe Vidal. Pourquoi les banques n'accompagnent-elles pas souvent jusqu'au bout ces entreprises? En général, il y a toujours quelqu'un pour poser une question comme ça. Bonjour. Ça marche à tous les coups. Vous y attendiez. Merci de l'avoir posé, parce que sinon quelqu'un d'autre l'aurait fait. Donc voilà. Voilà. Donc c'est vrai que la trésorerie, c'est comme les startups, hein, c'est toujours nécessaire, parce que quand il n'y en a plus, c'est fini. Et donc, les startups, en général, c'est deuxième tour, troisième tour, et c'est prévu dès le départ, sinon ça ne marche pas. Hein, donc, voilà. Alors, quand on finance une activité plus traditionnelle,
donc s'il y a un fonds de commerce, s'il y a des bâtiments, s'il y a du matériel roulant, s'il y a des choses comme ça, il y a des financements assez classiques, faciles à mettre en œuvre. La difficulté, c'est que financer le besoin en fonds de roulement, s'il y a un poste client, il n'y a pas de sujet, s'il y a des stocks, il n'y a pas trop de sujet, ça peut se faire. S'il n'y a rien de tout ça, ça veut dire que vous demandez au banquier de prendre le risque de celui qui devrait être actionnaire. Alors, quand vous faites un crédit, vous avez, on fait ça en moyenne, 1% de marge. C'est-à-dire que vous devez avoir 100 crédits remboursés pour que le dernier ne le soit pas. Il ne faut pas se tromper souvent. Et donc, c'est vrai que les banquiers peuvent les qualifier de frileux à ce moment-là, mais ce n'est pas tout à fait leur métier. C'est le métier de l'investisseur en fonds propres, que l'on fait aussi. Mais c'est un autre métier sur lequel on analyse un petit peu plus à fond le business plan. Donc je pense qu'on peut financer des tas d'entreprises classiques et financer le BFR. Mais après, c'est du cas par cas. Donc on se revoit à la récré. Hein, c'est ça, votre question ? Une dernière question, s'il vous plaît. Monsieur ? On a vous avez le micro. D'autres. On a évoqué les success stories et vous avez évoqué le cas d'entreprise qui avait négocié avec vous et qui n'avait pas forcément réussi. Moi, j'aimerais savoir ce que le panel puisse me dire sur 100 startups qui ont été lancées, combien ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi, est-ce qu'ils ont relancé une startup peut-être ou bien est-ce qu'ils sont allés avec une expérience enrichie dans de grands groupes ? C'est-à-dire la vie après la création de richesse d'une start-up qui n'a pas réussi. Et quelle est la probabilité de celles qui réussissent, celles qui ne réussissent pas, selon votre propre expérience. Monsieur Camayou, est-ce que vous avez des expériences, des exemples de start-up que vous suivez ? Donc, ce palmarès des 100 start-up africaines a été édité pour la première fois en février 2017. Aujourd'hui, je n'ai pas suffisamment de recul pour répondre à votre question. Je pense qu'il faut attendre probablement un an, voire deux ans supplémentaires pour connaître le taux de survie. Ce que je peux dire, c'est que en nombre de dossiers qui arrivent, c'est des centaines, évidemment, on en prend 2 à 3% en capital risque. C'est à peu près ça le ratio. Voilà, donc c'est un ratio extrêmement sélectif. Et là-dessus, il y en a quand même quelques-unes qui n'iront pas au bout. Et il y en a une qui, en général, une ou deux, qui, elles, vont faire la plus-value, qu'on va revendre à Microsoft ou je ne sais pas quoi, qui sont des belles entreprises, des belles aventures. C'est dernière question, monsieur. Bonjour, je m'appelle Mamadou Faye, diplômé du Master de Comptabilité Contrôle Audit d'Aix-en-Provence et actuellement expert comptable stagiaire. Moi, je voulais poser une question, notamment sur les énergies renouvelables et en Afrique. Je suis sénégalais d'origine, pour rappel. Moi, je vois, par exemple, que nous avons des ressources illimitées, par exemple, le soleil. Je sais que c'est un domaine au niveau de l'énergie solaire qui est extrêmement rentable. Là, peut-être pour poser au panel cette question, c'est au niveau de nos dirigeants ou au niveau des jeunes Africains qui ne veulent pas prendre des risques, mais pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi on a des problèmes d'énergie ? Pourquoi on a un fort besoin d'énergie et qu'on ait ces ressources illimitées ? Pourquoi ça ne marche pas ? J'arrive pas à comprendre. Vous trouvez qu'on ne valorise pas assez vite les énergies renouvelables ? Quelqu'un peut-il répondre ? Ou alors c'est un constat que vous faites tous ? C'est une excellente question. Oui, c'est une excellente question. Oui. Je pense que tous les grands groupes d'énergie se préoccupent de ça. Il y a énormément de start-up, là encore, dans ce domaine-là. Et il y a une préoccupation très importante de suivi des développements des entreprises qui développent des énergies nouvelles, partout, notamment en Afrique, mais aussi partout. Donc je pense que c'est une préoccupation, peut-être ça ne va pas assez vite, et c'est vrai que compte tenu des besoins et compte tenu de la richesse naturelle des ressources, notamment en Afrique, on aurait envie que ça aille plus vite. Mais c'est en tout cas pris en compte dans les réflexions des grands groupes, dans leurs incubateurs, dans leur développement. Tous les grands groupes d'énergie que je connais ont intégré cette dimension. On peut essayer de les encourager à ce que ça aille encore plus vite et qu'ils aillent. Mais il y a des tas de questions techniques évidemment à résoudre, il y a des tas de questions de financement, mais en tout cas c'est une préoccupation et je suis sûre que tout le monde a conscience de l'importance de la question telle que vous la formulez.
Oui, je pense que sur ce domaine-là, c'est typiquement le domaine des startups où il y a une énorme segmentation entre ce qu'on voit et ce qui arrive en fait dans l'opinion publique et ce qui se produit dans la collaboration entre les labos de recherche, les grands groupes, notamment les grands groupes d'énergie, les financements publics, notamment au niveau européen, au niveau national. Donc moi, je ne sais pas ma spécialité, mais mes parents bossent un peu là-dedans en tant que chercheur. Et donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a énormément de projets qui sont lancés. En revanche, ils n'arrivent pas au public parce qu'ils sont en général, ils demandent un certain investissement intellectuel pour comprendre comment ça fonctionne, une bonne connaissance. Et deux, c'est des projets extrêmement lourds sur le très long terme qui impliquent souvent la collaboration entre plusieurs pays, que ce soit en Europe d'ailleurs ou avec l'Afrique, mais qui sont extrêmement vivants et très dynamiques. En fait, ce qui arrive jusqu'à nous, en tant que public, on va dire, c'est plutôt l'action du consommateur. C'est-à-dire que je vais changer mon comportement pour réduire la consommation d'énergie. Donc tout ce qui concerne en fait l'économie circulaire, l'économie verte, le zéro déchet, qui est en fait qui est très important également comme mode d'action pour la réduction de des effets de serre et pour de l'énergie plus verte, mais qui ne sont que un aspect en fait de l'écologie plus généralement, dont l'autre est assez peu accessible au public général parce qu'il demande un investissement en connaissance et une expertise un peu plus élevée, et surtout qu'il est c'est moins des start-up que des projets de collaboration start-up, grands groupes, État et institutions supranationales. Voilà. Christian Camaillou. Eh bien, c'est un Africain qui va répondre à un autre Africain. si vous considérez que ce secteur des énergies renouvelables est un créneau porteur, donc ce que je peux vous dire, après vos études de comptabilité, d'expertise comptable, c'est de vous lancer dans l'entrepreneuriat en Afrique. J'ai l'idée. Merci beaucoup. Merci à tous.